Alors, les évolutions pour Silverstone, il y en a eu beaucoup. Oui, c'était la pause, on va dire, de mi-saison. Donc, il y a eu le temps de faire des évos et de prendre la banque. D'ailleurs, la banque qui voit sa promo se terminer donc ce soir à 23h59. Donc, Corentin, si tu m'écoutes, il faudra aussi reverser 10 euros pour le serveur. Et tu auras le bonus de promo de banque en même temps. Donc, tu auras deux fois plus que d'habitude en versant les 10 euros pour le serveur. Si tu le fais avant ce soir à 23h59. Donc voilà. On commence par Abel du coup. Alors, Abel. Ben, normalement, il est tout en haut. Ouais, il est là. Traîner x2. Ah, appui aéro aussi du coup. Ok. Traîner x2. Carbu départ. Carbu départ, 4 litres seulement. Ça fait toujours un peu de points en moins, mais bon. Ensuite, Abdel. Traîner. Ah, il a amélioré les dégâts, Hervé. Hervé. Oh là là, l'insulte. Abdel, j'aurais pas aimé me faire traiter d'Harvey. Hein. Quel manque de respect, quoi. Hervé, non, il joue pas, lui. Lui, il laisse pourrir sa voiture sans évo, là. Il fait chier tout le monde, c'est une chicane mobile, sa bagnole. Salaud. Alors, sur Alim. Et il y a aussi les dommages, apparemment. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, 1200. Rear wing détache. 2500. Et les roues. 1200. Voilà. Voiture plus résistante. Alvin. Alvin, Evo traîné x6. Donc il est à 0. Ah, il va être compétitif, Alvin, là. En plus d'être en tête du championnat, il a une bonne carte à jouer, je pense. Même s'il reste encore 8 courses, c'est beaucoup quand même. Il peut se passer des choses. J'espère pour lui qu'il arrivera à maintenir ses performances. Non, x3, du coup, 2400, pardon. Ok. Et donc, on va faire point sur les tours minutes. Pas de surlime, tours minutes. 10 000. Très bien. Ensuite, Adrien. Que des A, hein, pour l'instant. On est que sur les A, là. Incroyable. Ensuite, 5 tours minutes ici. Raymond. Ah bah là, on passe directement au R. Cinq d'appui. Et un peu de traînée en moins. Et une petite surligne pour la route.
2 plutôt. Voilà. Deux petites suralimes. Ensuite. Oh là, Show Me the Best. Bon. On va peut-être le faire en dernier, Show Me the Best. Parce que là, il y a vraiment de quoi dire. On va le faire en dernier. On va préserver le suspense. Show Me the Best qui s'est payé la meilleure voiture du plateau. Même devant Coco. Et oui, Coco a été battu. C'est fou, hein, mais c'est la vérité. Bon, maintenant, encore une fois, il faut que les résultats suivent en piste. Sinon, à quoi bon? Alors, les freins, M. Choumi. Il était qu'à 2000, donc là, il sera à 2200. La Toro Rosso. Tiens, un peu de mal. Un peu lente cette Toro Rosso encore. Manque de moyens dans l'écurie italienne. C'est pas les moyens de Ferrari, hein. En même temps, c'est réaliste. Même à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de Ferrari, j'ai envie de dire. Choumi. Traînée aéro. x2. Donc 0,4. Ça devient intéressant, la Williams, là. Il commence à être au minimum de traînée. Roro. Traînée x5. Roux qui a évolué pas mal aussi, hein. Il avait 100 millions. Mais là, il s'est fait plaisir. Carburant en moins. Alors, carburant en moins. Ouais, c'est là, du coup. 230. Les trois valeurs. Tac. Les freins. On était à 2200, on passe donc à 2500. Ce qui est pas dégueu. Ah, faut pas oublier l'IA aussi. Voilà. Hop. C'est bon. Donc traîner c'est fait, frein c'est fait. Ok, donc la conso maintenant. Donc là, c'est 2 ici. Voilà. Ça va vite, hein. Heureusement que j'ai simplifié les évos parce que là, j'en ai eu pour une demi-heure, presque, à mon avis. Au lieu de ça, j'en avoir pour, je pense, un quart d'heure, pas plus. Un 0,3. Ici. Alors, Corentin. Que du frein pour Corentin. Ferrari est déjà pas mal. Alors, en frein, par contre, waouh! Impressionnant. 4000! Putain! C'est bon. Ensuite. Coco 2, 11 de traînée. Nous sommes donc à 0,1. Ouais. Et on ferme. Et Choumi, Coco 3, donc la Williams, l'équipe de Choumi. Avec Bottas. Là, on est à 0 par contre. Je mets une petite valeur quand même d'un petit 1 vite fait derrière tous les zéros là parce que je parie que ça fasse tout bugger quoi. Julien.
de traîner donc 0,7. Alors après c'est à moi du coup. Une cure de maigrissement pour la Mercedes de Lewis. Il y en a besoin. Et un peu de suralime au passage. Nous sommes donc à... Oula, pourquoi 5? Ah oui, normal. Non, non, c'est bon. C'était à 3 parce que j'avais bridé à 3, ouais. Pour tous ceux qui jouent sur le serveur. Pour pas qu'on change quoi. Il fallait mettre les mêmes valeurs dans les deux côtés. Pour bloquer le setup, entre guillemets quoi. Ensuite, 97 kilos en moins pour Hülkenberg. Ce qui nous fait 703. Nasser. 712. Et une sur Alima. Il est à fond. Le pilote. Ensuite, nous avons Tesla Tiba. Avec 89 kilos en moins, donc 711. Ensuite, nous avons Eclectib. Alors, j'ai misé sur le frein pour lui. On va voir ce que ça donne. Et ben d'ailleurs, il a pas mal de freins. Hein. L'Alpine mise gros sur le freinage. On verra si ça paye ou pas. C'est la voiture, la deuxième qui a plus de freins derrière Coco, je pense. Ah, peut-être derrière Shumi the Best aussi, on va voir s'il a pris des freins ou pas. Sûrement, oui, d'ailleurs. Ça doit être la troisième meilleure, quoi, niveau freinage. Type direct. Il y en a des types. 135, donc ça fait 665. Grosse cure d'amaigrissement là. La Renault Sport, pour le coup. Incroyable. Et la suralime en foire. Hein. Donc à fond. Et pour terminer, Pronotib. Enfin, pour terminer, non, parce qu'il faut faire Shumi the Best aussi. Ne pas l'oublier. Quand même. Pour terminer avec les voitures normales, quoi. Les Evo normales. Les Evo raisonnables. Bon, par contre, lui, il est un peu en galère. Ce pronotype, c'est le. C'est un peu à la traîne. Hein. Voilà pour ça. Donc, Shumi the Best, on va remonter maintenant. Personne n'a évolué l'IA hein, pour l'instant. Enfin, cette semaine, du coup, parce qu'il y a déjà eu des Evo, mais. Pas cette semaine. Du coup, Shumi the Best. Alors là, on va rire. 35. Alors, je vais commencer par le fichier HDV. 283 kilos en moins. Bon, bah, il est au minimum. Voilà. Alors, déjà là, voilà. 500 kilos, quoi. Oh, oh. 500 putain de kilos. C'est incroyable. Dinguerie, quoi. Donc là, on a 3700. Il est un peu derrière Corentin, mais pas de beaucoup. Ça reste une très belle valeur, 3700. Voilà. Alors, carbu départ, alors ça c'est pareil. 50, ici. Alors, par contre, je remarque que t'as pas pris des vos conso.
T'es sûr que 50 litres ça va le faire là? Je sais pas, hein. Tu prends des risques là, hein. Si tu te retrouves à pas pouvoir finir la course. Alors t'as peut-être testé hors ligne après, je sais pas, mais est-ce que t'avais bien mis le coefficient d'essence? Parce que c'est pas x1 du coup, hein, c'est x3. Ouais, je crains qu'il y ait une mauvaise surprise pour Chemise the Best, mais bon, après. Malheureusement, c'est tant pis, hein. T'as fait l'erreur, malheureusement. On verra, peut-être que ça se trouve, t'as bien fait, mais. Moi, ça m'étonne. Moi, ça m'étonne. Nous verrons cela. Donc, appui, c'est bon. Poids, c'est bon. Frein, c'est bon. Il manque le moteur. Alors, pas d'Evo Conso, du coup. 35 tours minutes, ça fait 12 500. Parce que c'est 100 par Evo, donc voilà. Et Lifetimes. Lifetime. Plus bas. Ici, donc. 12 500. Tac. Écoutez, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hâte de voir les pertes de cette Ferrari. J'espère que tu vas pas te faire baiser par une panne d'essence, par contre. Ça serait dommage. Alors, au qualif, ça ira, au sprint aussi, mais pour la course principale et l'IA Battle, je suis moins confiant. Hein. C'est parce que les courses sont plus longues, du coup. Bon, rendez-vous à 18 h 15 tout à l'heure. On aura le carnet sur tout ça. Pensez à télécharger les Evo pour aller sur le serveur, ceux qui joueront sur le serveur. À toutes.